je ferai ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des temps où je répondrai aux questions. Parce qu'en fait, j'ai qu'un écran là. Fichier. Si j'aurais deux écrans, je mettrais le chat sur un écran. Attendez, je vais essayer quand même. Au pire, faut profiter comme Non, les mais autres c'est bon, en moments. fait, j'ai deux écrans, mais c'est juste que j'ai un doc. Du coup, en fait, je vais faire comme ça. Vous me dites hein, si vous voyez plus la feuille Excel. Je vais changer de mode. Étendre. C'est toujours pareil. Ça marche toujours? Ah, super, bah, du coup, c'est bon. Donc, posez vos questions à l'écrit. Donc je pourrais les voir, en fait. Bon, ben, c'est parti. Donc, aujourd'hui, à minima, ce qu'on va faire, c'est corriger le TD sur l'analyse de trame. Donc, on avait quatre trames dans l'énoncé, hein, vous vous rappelez, vous l'avez téléchargé, j'espère. Ouais. Les quatre trames, j'ai reproduit sur quatre onglets différents les différentes trames qui ont été reçues. Et puis ce qu'on va faire, on va aller simplement les analyser et puis essayer de comprendre ce qui se passe dans le réseau qui amènerait à voir cette trace-là, mesurer cette trace-là. Rappelez-vous que ces trames-là, on les fait dans l'esprit Wireshark. C'est comme si on avait pris Wireshark pour sniffer les trames. Donc on avait fait de l'écoute indiscrète. Dans Wireshark, je vous rappelle qu'on n'affiche pas ce qu'il y a de niveau physique parce que ce n'est pas assez porteur d'informations. En gros, si l'information est arrivée au niveau physique, c'est pas assez. Du coup, on commence tout le temps par le niveau 2. D'accord? Je vais essayer de parler moins vite. N'hésitez pas à interagir, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à interagir. Si je parle trop vite, dites-le-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Ici. Ici, hein. Ouais. Alors, ce que je vais faire, la première trame, je vais moi la corriger. Et après, je demanderai s'il y a un volontaire ou pas. S'il n'y a pas de volontaire, c'est moi qui continue à corriger. Sinon, je laisserai la parole à l'étudiant qui a bien voulu le faire. Sachant que je mettrai sur l'intranet, dès que le cours est fini, cette feuille Excel, plus un corrigé que j'ai déjà, mais le corrigé est moins complet que cette feuille Excel que je vais faire. Alors, rappelez-vous, nous, on s'intéresse à un protocole qui est au niveau 2, qui est Ethernet. Vincent, je vais t'en foutre une à distance. La Terre est plate. Ah, il a viré la phrase. Bon, bref. Donc, le protocole de niveau 2, c'est Ethernet. Hein. Ça ne peut pas être autre chose chez nous. Alors, j'ai des petits bugs, moi, d'affichage. Ça capture bien l'écran, mais ça scintille vachement. Et quand j'écris, je ne vois pas ce que j'écris, en fait. Mais je pense que vous, ça marche. Ouais, ça marche, ça Ouais. marche. Donc, Ethernet, d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est se rappeler du format Ethernet. Ça, normalement, vous devez le connaître, hein. Je vais essayer de vous le mettre dans Excel quand même. Format. Tac. Copier l'image. Vous voyez l'image? Ah, moi, c'est super désagréable, ça scintille tout le temps. Donc, ça commence par un préambule et un SFD, un start of frame. D'accord? Ça, évidemment, c'est du niveau physique, rappelez-vous. Ça sert à synchroniser les horloges des destinataires avec l'horloge qui a été utilisée par l'émetteur. Donc, ça, ce n'est pas représenté dans le diagramme, dans ce qui est sniffé par Wireshark. Ce qu'on va voir, c'est directement. Vous voyez mon curseur ou pas? Ouais. Donc, on va commencer par afficher directement l'adresse destination. Donc, FF, 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 FF. Alors là, je vois plus ce que j'écris. Ce truc-là, c'est quoi? C'est l'adresse de C'est destination. voilà l'adresse MAC L'adresse MAC. destination. Je vais écrire. Alors, attendez 2 secondes. Bon, c'est mon premier en visio. Hein. Pourquoi je n'arrive pas à le grandir, ce truc? Bon, c'est pas grave.
Tac. Donc ça, c'est adresse MAC destination. Et ça, elle veut dire quoi, cette adresse-là? Elle a un sens particulier. C'est pas diffusion, adresse diffusion. Voilà, à tous les destinataires. Enfin, tout le monde est destinataire, plutôt. Ah ouais, c'est quand même pas super... Enfin, en fait, là, je vois pas ce que j'écris, je vois même pas ce que je modifie. Diffusion, virgule, tout le monde est destinataire. Après, j'ai quoi? J'ai 00005, 05, 5D, 7A, 25, 4C. Ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'adresse MAC source. Donc, il y a une machine qui a pour adresse MAC. C'est vraiment emmerdant parce qu'en fait, je vois pas. Enfin, vous voyez que je ne vois pas ou pas? Ouais. Ah, quand j'écris quelque chose, vous voyez que je ne vois pas. Quand vous écrivez, on voit. Ouais. Ouais, ben, j'ai le même problème, moi, sur mon écran. Du coup, c'est un peu emmerdant quand même. Mais bon, c'est. Je vais me satisfaire de ça. Donc ça, c'est une machine qui avait cette adresse MAC-là. Donc là, je rappelle, je suis au niveau Ethernet. Hein. C'est le protocole Ethernet. Je vais mettre ça en vert. D'accord. Donc c'est le protocole Ethernet. Et ce protocole-là, rappelez-vous, hein, son rôle, c'est juste de s'occuper des problèmes de machines qui partagent un même médium, de machines directement connectées. D'accord. C'est le rôle du protocole. Après, je vais avoir deux octets pour le champ type, donc 0806. Ça correspond à la table ARP. Pas la table ARP. Non. Ça correspond. Ça veut dire que ce qui est encapsulé dans Ethernet, c'est le protocole. ARP. Voilà. Après, on ne sait pas ce que c'est le message ARP. C'est peut-être une requête ARP, c'est peut-être une réponse ARP. Ça, on ne sait pas. Il va falloir analyser ce qu'il y a en dessous. Ben, ce n'était pas demandé dans l'exercice, mais je vous propose de le faire. Donc là, je répète, hein, ce n'était pas demandé dans l'exercice, mais on va le faire quand même. On va analyser ARP et je vais le mettre en rouge là. Alors, protocole ARP, je vais quand même vous l'afficher. Moi, je le connais par cœur, mais je vais vous l'afficher. Ça sera long, ça va être compliqué de bien comprendre. Tac. Tac. Donc maintenant, on passe à ARP. D'accord ? ARP, on commence par 0001. Ça, c'est quoi ? C'est le protocole de type matériel. Rappelez-vous que ARP, son objectif, c'est quoi ? C'est de faire le lien entre des adresses de niveau 2 et des adresses de niveau 3. On avait fait un exercice dessus avant la période de confinement. On avait vu que, par exemple, quand je lance un serveur, on fait une partie en LAN. J'ai un serveur avec, je vais dire l'adresse IP de mon serveur, c'est par exemple 172.26.0.1, d'accord. Dans les clients, ils vont mettre cette adresse-là en adresse de serveur pour le jeu vidéo. Et après, le problème, c'est que mon PC, il va générer son message, par exemple la demande de connexion au serveur de jeu vidéo. Il sait que c'est son adresse IP vers l'adresse IP 172.26.0.1. D'accord. Par contre, au niveau MAC, il sait qu'adresse MAC destination, c'est son adresse MAC. L'adresse MAC source, c'est son adresse MAC. L'adresse MAC destination, eh ben ça, il ne sait pas. Il va aller dans la table de routage. Si la machine là, le serveur du jeu vidéo, il est dans le même réseau, ben on va chercher son adresse MAC. Et si jamais c'est une adresse d'un autre réseau, on va chercher l'adresse MAC du routeur qui permettra d'aller vers ce réseau-là. D'accord, vous rappelez cet exercice-là, c'est le TD sur RP. Donc ça, il faudra le réviser si ce n'est pas clair. Au passage, hein, je précise que je me rendrai disponible sur Discord, même après coup, pour les élèves qui ont refait l'exercice, qui n'ont pas compris des choses, donc pour répondre à leurs questions, ou même pour les étudiants qui n'ont pas pu se connecter à Excel Bug. Ouais, là, vous parlez du tremblement. C'est pas un autre bug. Ouais, c'est super chiant. Même pour moi, parce que ça tremble pour vous, mais ça tremble pour moi aussi. Vous avez essayé sur Google Excel, là,
Scotin dessus, ça marche mieux. Ah, ben je vais regarder. Oui, mais ça va être plus embêtant, je pourrais pas coller des images, etc. Ah, ouais. Vous voulez que j'essaye sous Excel ? Sous Google Écoutez, je vous propose que je termine maintenant. Dites-vous de manière que vous aurez la... Je vous le donnerai, ce document. Je le partagerai avec vous. D'accord ? Ça marche. Alors, attendez, je vais essayer un autre truc avant. Du coup, je vais essayer un autre truc. J'arrête de streamer. Partager non plus une fenêtre, mais tout l'écran. Ouais, c'est ça le problème, je pense. Mmh. Écran. Passer en direct. Et ça va mieux là ? Ouais, il y a de plus. Ah, super. Ben voilà. Ouais. Moi, pour moi aussi, ça va, c'est vachement plus agréable. Bon, du coup, je continue. Ben, merci Lucas, grâce à toi, j'ai trouvé une astuce. J'ai pensé à cette astuce-là, enfin, changer de type de streaming. Alors. Donc, en gros, ARP, c'est un protocole qui va permettre justement de, quand je cherche une adresse MAC qui correspond à une adresse IP, bah de trouver ce lien-là. Je sais quelle est l'adresse IP de mon prochain destinataire, du destinataire. Je ne sais pas quelle est son adresse MAC. Donc, je ne sais pas faire ma trame Ethernet. Et bien, du coup, pour connaître l'adresse MAC, je vais faire une requête ARP. Donc, ARP, c'est un protocole qui fait un lien entre un protocole de niveau 2, des adresses de niveau 2, de niveau liaison. Donc, par exemple, Ethernet, avec des adresses de niveau 3, comme le protocole IP, par exemple. Par contre, ça pourrait être d'autres protocoles. Au niveau 2, je pourrais ne pas avoir Ethernet, je pourrais avoir un protocole comme Sleep, par exemple, ou un autre. D'accord ? Et du coup, il faut que ça marche quand même. Donc ça veut dire que c'est Ethernet. Le protocole... Ah, il y a encore des petits bugs, mais ça va mieux quand même. Le protocole de niveau liaison est Ethernet. Voilà ce que ça veut dire. Le protocole de liaison. Mince. Bon, je corrigerai ça. Si, voilà. Est Ethernet. Ensuite, j'ai 0800. Le protocole de niveau réseau, de niveau 3, est IP. C'est des valeurs qu'il faut connaître par cœur. Mais enfin, vous n'allez pas les connaître par cœur. Mais que tout doucement, si vous êtes amené à creuser un peu le protocole, à bosser des exercices, etc., ou bien dans votre boulot pour plus tard, si vous vous êtes amené souvent à manipuler ces protocoles-là, vous les connaîtrez par cœur. D'accord ? Rappelez-vous bien que c'est ça, que RP, ce n'est pas prévu pour Ethernet et IP. C'est prévu pour tout protocole de niveau liaison avec tout protocole de niveau 3, de niveau réseau. D'accord, c'est pour ça que ces deux premiers octets, j'aime pas le nom, abort type. Ça devrait être, entre guillemets, en français, on devrait mettre le protocole de niveau liaison, identifiant du protocole de niveau liaison. Et là, c'est identifiant du protocole de niveau réseau. Voilà, donc là, on me dit, au niveau liaison, c'est Ethernet, au niveau réseau, c'est IP. D'accord. Après, vu que c'est prévu pour même des protocoles qui n'existeraient pas quand IP a été créé, on va avoir besoin de dire c'est quoi la taille d'une adresse de niveau 1. L'adresse de niveau 1, sa taille, c'est 6. Une adresse Ethernet est sur 6 octets. D'accord ? Ce qui nous paraît naturel. Mais il n'empêche que si jamais j'invente un nouveau protocole et que je voulais me servir d'ARP, ARP, quand les gens ont créé ARP, ils ne savaient pas ce que j'allais faire comme protocole. Ils ne savaient pas quelle serait la longueur de mon adresse. Et du coup, ils ont prévu, d'accord, cette possibilité-là de pouvoir prendre en charge des protocoles qui n'existent pas encore. Voilà, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de dire pourquoi on mémorise que c'est 6 octets alors qu'on sait tous que ARP, que Ethernet, c'est l'adresse MAC, c'est 6 octets. Voilà, c'est parce que à la base, c'est prévu pour que ça marche avec des protocoles qui ne sont pas déjà conçus quand ARP existe. Ça fonctionne bien, hein, vous m'entendez bien, hein. Oui, aucun problème. Oui, pas de souci. Après, pareil pour le niveau IP. C'est quoi la taille d'une adresse IP ? Donc là, je vais voir 0,4 parce que une adresse IP est sur 4 octets. OK.
Ensuite, j'ai opération de code 0001. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une requête RP. Voilà. Là, je sais, toi, Loris, non, c'était Loris qui m'avait dit que c'était, oui, c'était une... moi. C'était ah, c'est ça. Tu m'avais dit que c'était, qu'on est dans 0806, que c'était une requête RP. Il n'y a que maintenant que je sais que c'est une requête RP. Ok, ok. Et non pas une réponse. D'accord ? Après, je vois quoi ? Je vois... j'en suis où, là ? 005. 0005, 5D, 7A... 25 4C. Ça c'est quoi? Est-ce qu'on a déjà vu cette adresse là? Non, non. Alors on parlera pas d'IPv6, mais si c'est IPv6, ça serait le nombre de, d'octets d'une adresse IPv6, mais il y en a beaucoup plus. Mais je on parlera d'IPv6 bientôt, mais pour le moment c'est ça, ouais. Non, pas 128 octets. Hein. C'est presque ça. Allez, on parle pas d'IPv6. Donc, l'émetteur a cette adresse IP. A cette adresse ARP. Voilà. Et en fait, c'est très logique parce que regardez, dans Ethernet, on a vu que l'émetteur de la trame Ethernet, c'était l'adresse qui est ici, en fait. C'est les mêmes. Celui qui émet l'adresse Ethernet, c'est celui qui est à l'origine de la requête ARP. D'accord ? Qui nous paraît assez évident. Alors, si vous entendez chanter, c'est ma femme qui s'occupe de mes enfants. Ensuite, source, protocole, adresse. Donc là, maintenant, alors ça va être l'adresse de niveau réseau. Ça va être l'adresse IP. Donc là, je vois, c'est AC1A. 07 25. AC, c'est quoi? C'est 10 fois 16, 160 plus C, ça fait combien? Ouais. Ça fait 12. C, c'est 12. Donc AC, c'est 172. 1A, c'est 1 fois 16 plus 10, 26. 07, c'est 7. Sofiane, attends, il n'y a pas moyen que je t'envoie une baffe virtuelle quand même. Non, je ne sais pas faire. T'as de la chance. Voilà. Vincent l'a fait pour vous. Merci Vincent. Alors, ensuite, donc on en est à 0725. Ensuite, j'ai 00. 00000. Pourquoi, à votre avis? C'est le PCS, non? Ça, c'est l'adresse. C'est l'adresse. MAC du destinataire. Putain. Mais en fait, je ne la connais pas. Ma requête ARP, je la fais justement parce que je veux connaître cette adresse-là. Adresse que l'on souhaite connaître. C'est adresse Ethernet inconnue que l'on souhaite, je vais mettre pour pas faire la répétition, apprendre. Et après, j'ai AC1A0101. Donc ça, c'est 172.26.1.1. Excusez-moi, j'ai pas fini l'adresse MAC là. 25, c'est quoi? C'est 32 plus 5, ça fait 37. Et ça, c'est l'adresse IP de l'émetteur. D'accord? Ça, c'est adresse IP de la personne. De la machine, j'ai tendance à personnaliser moi. La machine dont on souhaite connaître l'adresse MAC. Voilà.
Par contre, ça m'énerve. Pourquoi il ne veut pas m'enlever cet onglet-là ? Ça me fait perdre de la place pour rien. Attendez 2 secondes. Hein. Est-ce que... Ah, ouais. Ah bah non, ça marche pas. Bon, tant pis. Ouais, mais bon, tant pis. Voilà. Donc là, on a fini l'analyse de toute la trame. On a fini l'analyse de toute la trame. De cette trame-là. Donc cette trame-là, c'est quoi ? C'est une machine. Alors, diagramme. C'est une machine qui a pour adresse IP. C'est une machine qui a pour adresse IP. Bon, 172.26.7.37, c'est ça ? Je ne me rappelle plus. C'est ça, 0.7.37. Qui veut communiquer avec une machine qui a pour adresse IP 172.26.1.1. Donc, dans mon diagramme, là, j'ai 172.26.1.1. Son adresse MAC à lui, c'est ça. Ah, attends, j'ai une remarque là. Ah, merci Clément. Ou Jaël, je sais pas qui est le premier à avoir dit ça. Par contre, le problème, c'est que Clément je vois pas. Clément qui l'a dit. Ah. Alors, 4C. J'ai vu que vous remarquiez pas, donc du coup. 25. Est-ce que ça marchait là ? Ah merde ! Bon, je vais tout réécrire. Ça va être compliqué de corriger. Donc c'est. Tu peux me lire, Jaël, l'adresse ? 00, oui. 05. 5D7A25 4C. Ah ben là, ça marche maintenant. Ok. Merci. Voilà, donc ça c'est la machine A, enfin une première machine. Et la machine là, on ne connaît pas son adresse IP pour le moment. Donc on fait quoi ? On envoie ici une requête RP. Alors je vais l'écrire comme on l'écrivait. De 00, enfin requête RP. Je vais juste écrire requête RP. Requête RP, tram 1. Voilà. Lui, il veut connaître cette adresse-là. Donc, on s'attend à voir quoi en dessous ? P. Pour connaître adresse MAC de 172.26.1.1. Voilà. On s'attend à voir quoi ici comme retour ? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir ? Quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce que vous attendez à voir ici, là, dans le sens-là ? Voilà, la réponse à RP. On s'attend à voir ça. Si c'est bien fait, normalement, là, j'ai une réponse. On va basculer. Bon, je vais tout recommencer. Donc, on va regarder ce qui se passe ici. Donc là, j'ai 0005. 5D. Quelqu'un veut l'analyser, celle-là, ou pas ? Ouais, je vais essayer. Allez, vas-y. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'adresse MAC destination. Destination. Donc là, c'est qui cette adresse MAC ? Ça correspond à qui ? Ça correspond bah, à la personne. Ah, bah... La source. Ah, mais ok, je viens de comprendre. Okay. Voilà. Bah, du coup, c'est la personne qui répond à la requête. Voilà. Là, celui qui écrit là, adresse MAC destination, on remarque que c'est l'adresse de l'émetteur de la trame 1. D'accord ? Donc là, en gros,
le destinataire de cette trame, c'est l'émetteur de la première trame. Loïc, parasite social. Ensuite, continue, Loris. Donc c'est 08 00 20 86 37 D5. Ouais. Et ça, c'est l'adresse MAC de la source. Donc c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on demandait dans la trame 8, en fait. Ce qu'on cherchait, mais on ne le sait pas encore. Ouais. D'accord. Là, je sais juste que lui m'envoie une trame. Ça se trouve, il m'envoie une trame d'un autre message, un truc différent. D'accord. Ça se trouve, là, je suis juste capable de dire, quand j'ai analysé ça, qu'il y a la machine, une machine qui envoie un message. Mais je ne sais pas encore que c'est celui que je cherchais. Après, j'ai quoi ? C'est 0806, donc on sait que c'est le protocole ARP. Voilà, le protocole encapsulé est ARP. Alors, est-ce que là, on sait maintenant que c'est ça que je cherchais ? Toujours pas. Bah non, parce qu'on ne sait pas si c'est une requête. Voilà, ça pourrait être cette machine-là qui fait une requête ARP ou qui envoie un message, une trame, un paquet, une requête ARP. Enfin, on pourrait se demander pourquoi, mais en tout cas, on n'a encore aucune certitude. Après, j'ai quoi ? 0001. Est-ce que tu te rappelles de tête ? Non. Ça, c'est le protocole de niveau... de niveau liaison. De niveau liaison, ok. Et Ethernet. C'est une valeur qui, enfin, voilà, c'est comme ça, il faut le savoir par cœur. Enfin, je répète, quand je dis ça, vous, je ne vous demanderai pas de le savoir par cœur. Ensuite, après, j'ai 0800. Ça veut dire quoi ? C'est pas le nombre d'octets. Ah non. Okay. Non, c'est le protocole. Regarde, c'est la même valeur qu'on va retrouver souvent ici, là. D'accord. Réseau. C'est IP. Après, j'ai quoi ? 0604. Alors, j'ai 06. Ah, 06 correspond au nombre d'octets dans une adresse MAC. Voilà, d'une adresse MAC, une adresse Ethernet, plutôt, c'est la même chose. Hein. Ok. Et de 6 octets. 04, ça correspond à la taille d'une adresse IP, qui est de 4 octets. Voilà. 04, la taille d'une adresse IP est 4 octets. Très bien. Ensuite, on a 0002. Alors, on a 00. Alors, attends, vas-y, redis-le-moi. 0002. Ouais. 08. 00. Okay. 20. 86. 86. C'est bon ça ou pas ? Donc, mais je sais pas, du coup j'ai un doute. Non. Attendez. Tac. J'ai un décalage là. C'est 0005. Excuse-moi, on allait trop vite. 002, c'est quoi ça ? Oui, ouais, c'est possible. C'est une réponse ARP. Voilà. Ça y est, là je sais que j'ai une réponse ARP. Et après, vas-y, tu peux y aller. C'est juste ça qu'elle avait une gueule bizarre cette adresse. 08 00 20 86 37 D5. D5, ça c'est quoi ? Ça c'est l'adresse. Ah, non, je sais plus. C'est une adresse, mais certes, mais. Adresse MAC source. MAC source. De celui qui fait la réponse. Donc, c'est l'adresse recherchée par la trame 1. Dans trame 1. Très bien. Voilà, ça y est, maintenant je sais ça. Excusez-moi, je vais juste décaler ça. Parce que je suis plus dans Ethernet là, hein, depuis tout à l'heure. Là, c'était ARP. Voilà. Ça y est, j'ai enfin la réponse que je cherche. Alors, pour en être sûr, il faut que je voie l'adresse IP, hein, qu'on me dise bien, parce que ça pourrait être une réponse à...
enfin là je le verrai pas, mais au niveau des RP, je ne sais pas qui répond pour le moment. Donc AC1A0101, ça y est. Je vais pouvoir mettre dans mon adresse MAC, dans ma table ARP, pardon, que la machine qui a cette adresse IP là, son adresse MAC, c'est celle-là. P. Et. Donc AC, vous rappelle, ça fait 160 plus 12, 172. 1A, c'est 16 plus 10, 26. Point 1, point 1. Et j'y mets un commentaire. Ici, là. La machine peut inscrire cette adresse, inscrire ce couple MAC, ce couple adresse MAC, adresse IP dans la table ARP. Et puis là, bon, c'est pour vérifier. L'émetteur de la trame, c'était 005D7A254C. 4C, adresse MAC, destination, donc de la machine, c'est en fait l'adresse MAC de la machine à qui on répond. Et après, AC1A0725, c'est l'adresse IP de la machine à qui on répond. 172.26. 7.32, d'accord. Et ça, effectivement, c'est adresse IP. C'est point 37. Destination. Adresse MAC de la adresse IP de la machine à qui on répond. C'est un point 37, monsieur. C'est pas merci. Bon. Ouais, c'est bien 37, hein, c'est 2 fois 16 plus 5. Voilà, donc là, c'est bon. Dans mon diagramme, c'est juste ce que je m'attendais à voir, la réponse P qui va me dire, ah bah tiens, ça en fait, après, grâce à la trame 2, grâce à la trame 2, maintenant je sais que ici, c'est quoi son adresse MAC ? C'est la... C'est celle-ci. C'est 0005. Ah pardon, excuse-moi. C'est celle-ci. Donc là, je vais pouvoir mettre cette adresse MAC là. Je sais que c'est lui, c'est ça son adresse MAC. Adresse IP. Adresse MAC. C'est bon, c'est clair là pour le moment ? Vous avez des questions sur cette partie-là ? Du coup, c'est possible qu'il refuse une requête ARP ou un truc comme ça ? Alors oui, il pourrait ne pas avoir de réponse. Alors, ça pourrait être un filtrage. Ça peut être aussi des techniques qu'on a mis en œuvre pour se protéger du RP flooding, enfin des attaques. Parce qu'un bon moyen d'attaquer, c'est de flooder de la RP, etc. Il y a plusieurs possibilités, en fait. Mais dans le fonctionnement normal de la RP, quand toutes les machines sont configurées normalement, qu'il n'y a aucun problème, la réponse, elle est obligatoire. Sinon, c'est que la machine n'a pas reçu la trame. OK. D'accord ? Ben maintenant, on va regarder cette fameuse trame 3. Donc, trame 3. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, parce que... Donc, je continue pour le moment. Mais vous pouvez revenir par après coup sur un truc. Je vais. Donc, qui Gaëlle ? T'analyses ? Oui, c'est moi. Oui. Vas-y, analyse. Bah, du coup, on a 08 00 20 86 37. Là, j'ai 5 octets. Ah, bah, du coup, on s'arrête à 86. Non. Là, c'est une adresse MAC. Alors, attends, je vais te rafficher. J'aimerais bien, ouais. Attends, ouais. Tac, je vais te rafficher ça. Là, j'attends, c'est une adresse MAC destination, elle est sur 6 octets. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça, c'est adresse MAC de adresse MAC destination. Oui, à chaque fois, il met un petit bug parce que ça, c'est un symbole particulier dans Excel. Ensuite, j'ai quoi ?
Je dois avoir l'adresse MAC. Source. Sur. 6 octets. Vas-y. Donc, juste est-ce que vous pouvez passer sur la page d'avant, 30 secondes, je vais juste vérifier un truc. Là ? Oui, c'est parfait, merci. Alors, donc, vas-y. Du coup, ce serait normalement... Non. 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 Hier, là, on a fait 08002045. Les prochains octets, c'est 00. 00. Ah oui, voilà. 00, 3C. 56. Non, 05. J'ai la bonne trame. Hein. C'est la trame 3. Ouais. Ah oui, 5D. Ah, c'est parce que du coup, j'ai cru que j'avais fait un mauvais copier-coller. 7A. 5D. 7A. 25. 25. 4C. 4C. Ça, c'est l'adresse MAC source. Alors, juste, on va regarder un peu ce que, à quoi correspondent ces adresses. Donc là, la source, c'est 4C. La destination, c'est D5. Là, j'ai une trame. Bon, là, il s'est passé des choses. J'ai une trame qui va de là vers là. Mm-hmm. Excusez-moi. Ça va de 4C vers D5, ouais. C'est dans l'autre sens. Donc, c'est dans l'autre sens, oui. 4C vers D5. Là, c'est ma trame 3. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est ma trame 3. OK. Le protocole encapsulé, c'est quoi ? Donc, lis-moi les octets. Là, j'ai le type sur 2 octets. Donc, c'est quoi les 6 octets ? En fait, t'as tout sous les yeux, là. Normalement, juste sur cet écran-là, t'as ce qu'il te faut. Hein. J'attends que tu défeuilles. C'est 0800. Donc, okay. Le protocole encapsulé, quand c'est 08... Tout à l'heure, c'était 0806. C'était RP 0800, c'est IP. Ouais. Voilà, EIP. Voilà. Ok. C'est pas moi voilà qui tourne les feuilles. Hein. Ah, c'est pas... Alors, celui qui tourne les feuilles, s'il peut... Il peut se mettre en mute. Baisser la sensibilité de son micro ou bien désactiver le mode automatique. Je crois que c'est Jung Jung. Ah. Si vous pouvez lui envoyer un message juste pour lui dire, faire attention quand il tourne ses pages. Alors, pardon, c'est pas RP, c'est IP. Alors là, on va rentrer dans le détail du protocole IP. Donc, je vais vous remettre aussi le schéma. Et vu que c'est la première fois qu'on le fait, c'est moi qui vais le faire. Et le deuxième coup, ça sera vous, un de vous, s'il le souhaite, qui le fera. Alors, je commence par 8 bits pour la version. Donc là, mes premiers 8 bits. Alors attendez, je vais essayer. En fait, là, c'est super emmerdant pour moi. J'aimerais que vous coloriez les octets pour que vous voyez bien où je suis. Là, je suis ici. Hein. 0800, on a fini. Là, c'est la fin d'Ethernet. Hein. Donc là, on commence dans le protocole IP. Donc, j'ai 45. D'accord ? L'octet suivant, c'est 45. Donc, j'ai 4 pour dire que c'est IPv4. C'est la version. IPv4. Alors là, on pourrait se demander légitimement, si je vais essayer d'anticiper une question de qui ? Qui c'est qui tout à l'heure me parlait d'IPv6 ? C'est moi. Ben, en fait, c'est pas 6 pour IPv6, parce que le protocole est complètement différent, en fait. D'accord ? C'est pas le même protocole, le format. C'est un format qui est différent. Après, j'ai encore 8 bits. J'ai 4 bits. Bits pour dire que c'est IPv4. Là, c'est... Ah, putain.
Voilà. Ces 4 bits là, j'ai pas mis de S, punaise. J'ai 4 bits pour dire que c'est IPv4. Après, j'ai un 5. On garde l'en tête. Voilà. En tête de 5 fois 4 octets égale 20 octets. D'accord ? Donc, en gros, si par exemple j'avais le premier octet ici, c'était pas 45, mais c'était 47, ça veut dire que c'est IPv4 et que l'entête, elle fait 7 fois 5 octets, donc elle en ferait 30. D'accord ? Ouais, c'est ça. C'est pas 7 fois 5, c'est 7 fois 4 octets, excusez-moi. Donc, ça serait 28. Donc, si premier octet 47 en tête de 7 fois 4 égale 28 octets. D'accord ? Mais bon, là, c'est écrit 45. C'est bon ? Je me suis embrouillé là avec mon 5. Vous êtes d'accord ? C'est bon ? Vous avez des questions ou ça va ? Ah oui, ça va. Ça va. Alors, au passage, on va regarder un peu plus en détail Là, je vois, j'ai une ligne, ça fait 4 octets. D'accord ? Donc, on me dit qu'il y a 5 paquets de 4 octets. Donc, il y a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pourrais avoir 44 dans un paquet IPv8 ? IPv4, pardon. Non. J'ai au minimum, une entête, c'est 20 octets. Une entête IP, évidemment. Si maximum 40, non ? Ben, maximum, au maximum, bah, une entête. 40. C'est IP, 40 avec les données. C'est F. Ça veut dire que ça sera F qu'on pourra mettre. Donc, ça veut dire combien ? 15. Égal 15 fois 4 octets. 60. Soit 60. D'accord ? En fait, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'après l'adresse IP, mais que vous voyez dans le cours, dans le poly de cours, vous le verrez. Alors, je vais essayer de le retrouver. Tiens, le poly de cours. Tac. Ah, dans le poly de cours de mémoire, c'est donné comme ça. Je remets le chat. Dans le poly de cours, mince, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Tac. Ah, je peux pas. Bon, tant pis. Dans le poly de cours, vous verrez qu'il y a assez écrit. Il peut y avoir des options. Par exemple, quand vous faites un message trace route, que vous voulez mettre dans le paquet IP tous les routeurs intermédiaires par lesquels vous passez, et ben ces routeurs-là, ils vont mettre leur adresse dans l'entête, dans les options. Et il y a une option qui s'appelle trace pour le traçage de route et qui rajoute dans les entêtes tous les adresses IP de tous les routeurs qui sont traversés. D'accord ? Donc là, vous avez par exemple une option qui, à chaque fois qu'on passe par un routeur, va faire que l'entête va augmenter. D'accord ? Mais on peut avoir plein d'autres choses. Il y a plein d'autres options qui font comme le redatage, etc. Enfin, on ne va pas faire le détail de tout. Mais en gros, rappelez-vous que normalement, dans le format, je peux éventuellement avoir... Je continue. Après, j'ai 00. Ça, c'est quoi ? C'est le type de service. Alors... En IPv4, c'est très mal géré les types de services. On s'en fout de la valeur. C'est type of. Je vais mettre en français. Je vais mettre en anglais, vous le trouvez facilement. Type de service. C'est en fait les critères. Vous n'êtes pas sur la bonne ligne. De quoi ? Vous n'êtes pas sur la bonne ligne, je crois. Merci. Les
de service. Tac. C'est les critères de qualité de service, mais qui sont très mal gérés dans IPv4. Donc, bon, on s'en fout de la valeur, en fait. La valeur, je ne demanderai jamais plus que ça. Après, j'ai deux octets avec 003C. 003C, ça fait combien? C'est 3 fois 16. 48. C'est un protocole. Plus 12. Ça fait combien? 48 plus 12. C'est... Oui, très bien. 60 octets. Donc là, on a dit quoi? On a dit le paquet IP a une taille de 60 octets. D'accord? Après, on a encore deux octets. Tac. Donc j'en suis où là? 56-20. 56-20. C'est identifiant du paquet IP. D'accord? Le prochain paquet qu'on verra, l'émetteur de ce paquet IP là, ce sera le 56-21. Et le coup d'après, ce sera 56-22. Et le coup d'après, c'est 56-23. À chaque envoi de paquet, l'émetteur d'un paquet augmente automatiquement cette valeur-là. D'accord? Donc là, pas besoin de la mettre en base 10, on s'en fout. C'est 56-20, l'identifiant du paquet. C'est bon? Alors, ensuite, j'ai 0000. Alors là, c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà un bit 0, un bit qui est don't fragment, un bit qui est more fragment, et après, j'ai un déplacement. Donc ici, j'ai df égale 0. Donc, on a le droit de fragmenter. Alors, pourquoi 60 octets? Ben parce que 3C, c'est 3 fois 16, 48, plus C, 12. Donc, 48 plus 12, ça fait 60. D'accord? J'ai traduit 3C, enfin 003C, de la base 16 à la base 10. Je vois pas le chat. Après les bits MF, là, il est à 0, c'est facile, hein, tous les bits sont à 0, donc là, il n'y a pas de problème. Et le TD le prochain TD, qu'on fera peut-être pas aujourd'hui, vous avez cours de maths à quelle heure ce matin? 14h. Ah, vous avez rien après moi? Non, on a le temps. Alors moi, j'aurai jusque 11h, en fait. Égal 0, donc pas de fragment, pas de fragment. Je vais pas trop m'attarder sur le sens de DF et MF maintenant, ça sera l'objet du TD suivant. D'accord? Oui, je ne pourrais pas aller au-delà de 11h, moi. Mais Matt, vous avez à 14h. Si... Loïc? Non. Loïc, c'est... 3C, donc 3 à un 3 à un coefficient. Ah d'accord, ok. Oui, c'est d'accord, c'est ça. C'est 16 puissance 1 fois 3 fois 12. C'est très bien. C'est ça. Mais en fait, il a lui mis la puissance, mais il y avait un chiffre en unité. Entre la puissance qui était sur un digit et puis il manquait une multiplication en fait. Non, c'est jamais la faute de l'informatique. Je continue. Donc après, j'ai 80. 80, c'est le TTL. Time to live. Chaque routeur traversé lui enlève 1. Lettre 1 et si TTL égale 0, paquet rejeté. Alors, en gros, là, le TTL il est de 80 en hexa, hein. Donc de 8 x 16.
Et en fait, le TTL sert à quoi? C'est pour éviter qu'il y ait des cycles dans les réseaux. Si jamais, imaginez, les paquets tournent à l'infini dans un réseau, ben son TTL va décroître à chaque fois qu'on passe dans un routeur. Et puis du coup, quand il passera à zéro, le paquet va être détruit. Il va être rejeté, on dit. D'accord? C'est bon? Ouais. C'est jamais la faute de l'informatique, c'est toujours la faute de l'informaticien qui a programmé ou de l'utilisateur. Mais l'informatique, elle fait que la machine, elle fait que ce qu'on lui demande. Ensuite, le protocole 01. C'est ICMP, non? Très bien. Tu as des bons souvenirs. Tu as bien bossé. Le protocole encapsulé, c'est ICMP. Voilà, la valeur, elle est voilà, on avait décidé que 0,1, c'était ça. Si vous connaissez le protocole... Enfin, il me semble que TCP, c'est 0,7 et 17, c'est UDP. Oui, c'est ça, mais je cherche un lien pour vous le mettre dans la feuille Excel avec les champs. Je vous mettrai un lien avec toutes les valeurs. Je ne sais plus comment, sur quelle page c'est. Il y a une page qui est de l'IANA qui référence tous les identifiants. Bon, j'essaie de vous trouver le lien officiel où il y a tous les numéros. Mais nous, effectivement, on a besoin de connaître ICMP, UDP, TCP. Je ne vous demande pas de les connaître par cœur, hein, mais c'est les valeurs qu'on va souvent voir et qu'on va souvent utiliser. Après le protocole, j'ai un checksum. C423, c'est un checksum. Après, j'ai l'adresse IP source, donc AC1A0725. Ça veut dire quoi? C'est 172.26.7.37. Donc ça, c'est l'adresse IP source de point. L'émetteur est donc... Ah, c'est vrai qu'il y a le symbole là. C'est adresse IP source, donc l'émetteur, c'est donc 172.26.7. Et après, j'ai C133AC0A. Ça, c'est l'adresse IP destination. Le destinataire est... Alors, C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... 12 fois 16 plus 1, ça fait 193. 33, c'est 3 fois 16 plus 3, c'est donc 51. AC, c'est plus facile, c'est 10 fois 16, 160, plus 12, 172. Et 0A, c'est 10. D'accord? Ah, ça frise chez certains. Ah. Okay. Ça va, hein, le son, ça passe bien. Il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que ça marche bien. Hein. D'ailleurs, les outils gamer, ça supporte beaucoup mieux que les outils de l'université. Ah bah ça. Mais le son, ça marche très bien. C'est juste, de temps en temps, le stream, il a un peu de pixels qui bavent en haut, mais en vrai, ça va. Ok, ouais, d'accord. Pareil. Ouais, ça. Pas en bas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez essayer de juste mettre en petit la fenêtre et la remettre en pan. Ah, c'est là? Ouais. Je crois, mais à mon avis, ça va rien changer. Okay. Non, c'est encore... C'est pareil. Laisse tomber. C'était pour accueillir. Tu peux peut-être grandir un peu, peut-être. Ouais, je sais pas. Ou des fois, peut-être relancer le stream permet de refresh, j'en sais rien. Mais vous me dites, hein, si jamais ça devient vraiment plus exploitable. Ok, bon, écoutez, c'était pas demandé dans le sujet, mais ce que je vous propose, on garde un peu ce protocole encapsulé. Donc, juste derrière, j'ai quoi? Donc, après mon 0A,
0800, c'est quoi ça? C'est le début d'ICMP. Et en fait, ICMP, bah, c'est bien, on l'a sous les yeux. D'accord? Vous le voyez, ICMP? Il est en rose sur mon écran. Ouais. Faut relancer, monsieur, parce qu'on voit rien. Okay. On peut relancer. Le tram, on voit pas du tout. C'est une horreur. Okay. Ah, regardez si vous pouvez changer la qualité, parce qu'autant c'est réglé en 480 de base. Ok, bah je vais regarder. Mais je ne sais pas si je peux régler quelque chose, mais je vais regarder. Sinon, il faut relancer le stream. Alors, go live. Alors, attendez, hein. Non, j'ai pas de... Regardez, il y a qui en CDV café? Non, ouais, non, c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Ah oui. C'est touriste là. C'est plus haut le cours. Ils sont partis. Monsieur. Bon, ah ouais, d'accord. Ah, cette tête là, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, bah c'est pareil, monsieur. Je sais pas pourquoi. On voit bien le bas, mais le haut, c'est une horreur. C'est exactement ça. Alors, sur le design, ils discutent du cours dans le centre de vie, mais moi, j'y crois pas. Hein. Ils sont tous au centre de vie là. Ouais. Bah c'est pas grave, va me... Merci. Tac. Là, je fais pas l'appel. Hein. Est-ce alors, que ça marche vraiment au pire? Là, c'est exploitable ou pas là pour... Là, ouais. Ouais, ça marche un peu mieux. Alors, ICMP. Donc, je vais le mettre en bleu, tiens, tac. Alors, on commence, c'est 08. 08, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, ça veut simplement dire... Attendez deux secondes. Alors, 08, ça veut dire que ça va être un service... Le message qui est demandé, c'est un outil écho. C'est un message écho. Message écho. En fait, c'est un ping. D'accord? 0, c'est le sous-titre. Enfin, en gros, je vais vous mettre, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas mis le format. Ah si, vous l'avez sous les yeux. Donc 08, c'est le type des messages. Et 00, c'est le code. Là, ça ne va pas nous servir. Ça ne servira à rien pour le moment. D'accord? C'est le code. D'accord, quand c'est un ping, on aura toujours 0,8. Ok. Après, j'ai un checksum. Ah mince. Voilà. Après, j'ai un checksum. Donc, le checksum ici, c'est 3C. Je n'avais pas prévu de le faire. En fait. C'est pour ça que je suis obligé de remonter à chaque fois. Donc, le checksum, c'est quoi? C'est 3A5C. Vous me dites si je me trompe, parce que 3A5C, c'est le checksum. Ensuite, j'ai 0200. 0200, ça, c'est l'identifiant du message. Si j'avais plusieurs pings, il faudrait que je puisse les différencier. D'accord? Et quand j'ai un retour, il faut que je puisse aussi savoir quel ping répond à quel reply répondra à quel ping. Je pourrais avoir plusieurs demandes de ping en parallèle. Du message. Après, j'ai 1100. Ça, c'est ce qu'on appelle le numéro de séquence. D'accord? Donc, ça, c'est pas grave. Hein. C'est même pas, normalement, je devrais même pas vous aider. Je voudrais même pas vous SMP. Et après, 61, 62, etc. D'accord? C'est pour remplir. C'est du bourrage. Pour remplir le ping. Rappelez-vous qu'un ping, en fait, vous avez vu, c'est A, B, C, D, etc. etc. C'est tout l'alphabet, là. C'est le codage de tout l'alphabet qui est ici, là. D'accord? C'est parce que quand vous faites un ping, vous pouvez préciser la taille du message. Vous pouvez dire, je veux un ping de 1000 octets, j'en veux un de 500 octets, etc. D'accord? Et du coup, ça sert à ça.
C'est en gros le bourrage, le ABCD machin, le bourrage du ping, il va être plus ou moins gros. J'ai répété plus ou moins l'alphabet. Là pour ICM, là pour cette trame là, vous avez des questions ou pas? C'est invisible ou pas? Ou ça devient dégueulasse? En haut c'est dégueu et en bas ça va. En bas ça va. Vous pouvez screen ou pas la trame? Dans tous les cas, tu l'as sur le TD. Sur le TD. Si t'es un élève sérieux, tu aurais le TD avec toi. Attendez. En plus, je l'ai envoyé sur Discord tout à l'heure. Je vais déjà vous mettre ça sur l'intranet si vous voulez. Ah ouais, ça peut être. Si ça vous sert. Au pire, c'est plus simple, glissez-le dans le secrétariat. Mais sinon, vous n'avez pas un channel écriture pour votre module? Non, j'ai pas fait de channel. Hein. Ah bah je le ferai. Mais je vais pas le faire maintenant parce que je suis nul. Enfin, Discord, je connais pas si bien que ça. Et du coup, j'ai pas envie de faire perdre du temps là-dessus. Je le ferai après. Alors, j'ai mon J. Tac. Allez. Ouais, le fichier, vous pouvez le mettre sur Discord aussi, c'est pas mal. Comment on fait pour le mettre sur Discord? Vous glissez déposer dans le chat du secrétariat. Alors, attendez. Tac. Donc, je le mets dans le chat du secrétariat. Version en cours de création sur le stream TD3 analyse de paquet, analyse de trame plutôt. Impeccable. Ah, là c'est l'état dans lequel on est actuellement. Ben, on va terminer avec la trame 4. La trame 4, et puis quand on a fini ça, ben... Alors attendez, non, c'est pas fini. La trame 3, c'était quoi? Ça, c'est Echo Request. Ah oui. De qui à qui? De 172.26.7.37 à qui? 193.51.172.10. J'espère ne pas m'être planté. Et ça, c'est la trame 3. La trame, donc ça, 112.26.1.1, c'est quoi? Cette machine-là, c'est quoi? C'est un routeur. C'est forcément un routeur. Ah oui. Bon, enfin, routeur ou passerelle. Elle est destinataire d'une trame Ethernet, mais n'est pas destinataire d'IP. Si la machine A lui a envoyé un message à elle au niveau Ethernet, une trame à elle, et que dans cette trame, il y a un message pour quelqu'un d'autre, c'est que lui, c'est une passerelle et un routeur. D'accord ? Un routeur qui va permettre d'aller vers l'autre réseau, vers ce réseau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans la trame 4 ? Un echo reply. Voilà. Et pourquoi je ne verrai pas le message Pourquoi je ne verrai pas ce qui va être répété par le routeur ? Bah parce qu'il va le mettre, enfin, il va le répéter dans un autre réseau, non ? Très bien. Parce que c'est dans un autre réseau. D'accord ? Là, je suis dans un autre réseau. Donc ça, je ne vais pas le voir. Mais qu'est-ce qui va se passer ici ? Qu'est-ce qui va se passer là ? Là, s'il connaît l'adresse du destinataire dans le réseau, il va directement l'envoyer à la personne. Sinon, il va faire une...
une diffusion. Voilà, il y aura peut-être de la RP, etc. Mais il y a au moins le echo request non vu car dans un autre réseau. D'accord. Il y a le echo request qui a passé. Il y a peut-être un. On ne sait pas. Et puis normalement, si la machine marche bien, il va y avoir ici un echo reply. Et là, la machine, ça sera quoi? Ça sera. Alors. Bah, ça sera 193.51.172.10. Attention, hein, en vérité, peut-être que je vais avoir encore des traps qui vont transporter l'echo request vers un autre routeur. D'accord ? Là, je me mets dans l'hypothèse où mon routeur, il est directement connecté au réseau 193.51.112.0. C'est pas clair, c'est pas très grave. D'accord ? Donc, soit mon routeur, il est directement dans le réseau. Il permettra de transmettre à la machine destinataire à 193.51.72.10 la requête, l'echo request. Soit il est dans un autre réseau et donc il passera vers un autre routeur pour rejoindre le réseau. Donc là, je m'attends à avoir un echo reply. D'accord ? Alors. Je suis feignant. Tac, voilà, j'ai analysé Ethernet. Donc 00055D7A254C, c'est l'adresse MAC destination. 0800208637D5, c'est l'adresse MAC source. 0800, c'est IP. Le protocole est IP. Donc là maintenant, je vais analyser IP. IP 4. Alors, il y a toute une partie qui ressemble, je ne vais pas m'embêter. Tac. Je recopie le modèle et je vais corriger, d'accord ? Vous êtes d'accord que je m'autorise à ce raccourci-là ? Donc, j'ai un 4, c'est pour IPv4. J'ai 5 ici. Vous voyez bien ou pas? Ouais, enfin, moyen. Et puis, on a la correction, monsieur. Donc... Ouais. 5, c'est pour une entête de 5 fois 4 octets. Là, par contre, j'ai recollé. Ensuite, j'ai 0,0. C'est pour. Parce que c'est mon critère de qualité de service. Je m'en fous. 0,03C, le paquet, là aussi, une taille de 60 octets, c'est pareil. Là, mon identifiant, c'est 85-78. Je m'en fous. Là, là, vous avez vu le retour. J'ai un 4. Vous avez vu que la différence par rapport à avant ? Tout à l'heure. Donc, j'ai 4, c'est quoi ? 4, c'est 0, 1, 0, 0. Donc, j'ai un bit à 0. J'ai mon DF qui est égal à 1. Bon, du coup, je vais tout réécrire là. Parce que je vois rien. Ah si, attends, je peux faire comme ça peut-être. Non, je peux pas. J'ai vu Clément là. Ah, je croyais avoir vu un Clément Rievski. Bref. ADF, donc c'est le don't fragment, il est égal à 1. Donc, interdit de fragmenter ce paquet. D'accord ? Là, il est à 1, il est passé à 1 en fait. Vous avez vu ? C'est clair ou pas ça ? Bof. En gros, dans ces octets-là, j'ai le premier bit, le bit de poids le plus fort, c'est 0, tout le temps. Après, c'est un bit qui vaut 0,1, c'est pour dire si on a le droit ou pas de fragmenter.
Et après, on a un bit à 0,1 qui dit est-ce qu'il y a un fragment qui suit ? Alors, je répète, le rôle précis de ces bits-là, on va le voir en détail dans le cours, dans le TD d'après. D'accord ? Qu'on fera la semaine prochaine, en définitive. Je n'ai pas le commencé aujourd'hui. D'accord ? Et donc, c'est pas grave si c'est pas super clair. Par contre, là, ce que je vous dis, c'est que si j'ai traduit ça en binaire, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0. Alors, je vais l'écrire en dessous. Égal 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un bit à 0. Après, j'ai mon bit d'après, CDF, et le bit d'après, CMF. D'accord ? C'est ça que je dis, en fait. Mince. Bon, je corrigerai ça à la fin. D'accord ? C'est super emmerdant, ça, de ne pas voir. Alors, c'est écrit D, E, Z. Tac, tac. Ah, c'est pas mal, là. D, F égale 4, 0. Bon, là, il manque un espace, là. Là, ce premier 0, le 1, là, c'est DF. Le truc, après, c'est DMF. C'est bon ? Oui. Au pire, vous reprendrez et puis on en reparlera hors stream, enfin dans le chat plus tard. Je vais à 11h, il faudra que je m'occupe de ma fille, mais d'ici là, quand j'ai fini le TD, je vous mets les corrections. Et puis je reste dispo pour répondre à vos questions. Et puis de manière, je vais essayer de me reconnecter aussi dans l'après-midi sur Discord pour répondre à vos questions, si vous en avez. Après, il reste ICMP. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Mon TTL, il est toujours égal à 80. Tac, 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 tac. Ah non, il est à FF, pardon. Oula. Là, je sais pas ce que j'ai fait. TTL. Ça, c'est le TTL. Le protocole encapsulé, c'est ICMP. Après, j'ai mon checksum, c'est D5CA. Après, ma source, ben ça a été permis par tout à l'heure, c'est C133AC0A. Donc là, l'adresse IP source. Le point, c'est 193.51.172.10 et l'adresse IP destination, c'est 172.26.7.37. Donc là, j'ai finalisé la partie IP. Donc, c'est bien, si ça confirme mon diagramme, hein, que c'est bien un message de lui vers lui. De 112.26.1.1 vers 112. Ah, pardon, excusez-moi. Au niveau IP, c'est un message de ma machine B vers ma machine A. C'est ça qu'il y a au niveau IP. D'accord ? Donc, l'écho reply, c'est 193.51.172.10. Alors, je ne sais pas encore que c'est un écho reply en vérité, tant que je n'ai pas tenu CP, mais on s'en doute. Point 37. Voilà. Ben, on va analyser les CMP maintenant. Il ne nous manque plus qu'analyser les CMP. Donc, c'est plus 0,8, mais ça va être 0,0. Voilà, je triche parce que je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est l'écho. Donc, j'en suis où là ? 0,725. Là, c'est 0,0. Donc, quand j'ai 0,0. En message, en identifiant de message, et 00 en code, d'accord, ça veut dire que c'est un message reply, c'est le retour de ping
qu'on appelle des fois un pong. D'accord ? Sérieusement ? Ouais, des fois on l'appelle le pong. Trop marrant ça. Et là, attends, j'ai rajouté. Écho, voilà. Message, pardon. Echo request. Voilà, le nom officiel, c'est echo request. Voilà. Ensuite, je suis perdu là. Tac, 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 tac. Voilà, echo. 42.5C. 42.5C, c'est le checksum. 42.5C. Et vous avez vu qu'après, c'est 02.11.0.0. 02.11.0.0. C'est les mêmes identifiants, le même numéro de séquence que dans la trame qui a été envoyée. C'est comme ça que je sais que c'est la réponse, c'est bien la réponse de mon ping. Parce que là, j'aurais un autre numéro, bah peut-être que j'aurais eu la réponse de mon ping d'après. Vous rappelez, souvent, on envoie plusieurs pings à la suite. D'accord ? On peut même en envoyer à l'infini, c'est périodiquement. Et c'est comme ça que je vais savoir si j'en ai perdu un ou pas, c'est en surveillant ces numéros-là. Et après, j'ai mon bourrage. Voilà pour l'analyse des trames. Donc ça, je vais déjà vous le mettre sur l'intranet. Sur l'intranet, je vous mettrai une version... Je vous mettrai une version... Alors, 3 TD avant cosmétique pour intranet. Donc, j'ai mis la correction, mais je vais essayer de reprendre des petites choses cosmétiquement. Notamment, je vais colorier les octets pour que ce soit plus visible ce qui est IPv4, ce qui est Ethernet, ce qui est ARP, ce qui est SMP, etc. Vous remarquerez que je n'ai pas tout à fait répondu à ce qu'il y avait dans le sujet. J'ai fait l'analyse de trame. Par contre, dans le sujet de TD, on vous demande c'est quoi la taille de la NPDU, etc. Ça, je vais vous laisser le faire, vous. Là, vous avez la correction. Donc, normalement, à partir de ce qu'on a fait, vous êtes capable de déduire ça. De déduire la réponse aux questions. Sachant que la taille de la NPDU, c'est quoi ? C'est la taille du paquet IP, en fait. NPDU, c'est le protocole, c'est le paquet IP. La TPDU, c'est le protocole de ce qui encapsule, c'est la taille de ce qui est encapsulé dans IP, etc. Donc, normalement, vous êtes capable de répondre à ces questions-là. D'accord ? Et puis, je vais vous mettre tout de suite, hein, je vais vous mettre la correction du TD. Donc, la réponse, je vous mets la feuille Excel qui analyse le tram, et je vais vous mettre aussi la réponse aux différentes questions qu'il y avait dans le TD, que je ne vais pas faire maintenant. D'accord ? J'y reviendrai dessus au prochain TD, je commencerai par conclure avec ça et vérifier que vous avez bien compris. D'accord ? Mais je préfère vous laisser réfléchir que si je vous donne, si là je le fais maintenant, vous allez m'écouter parler. Vous l'avez déjà fait très sagement pendant une heure et demie, c'est bien, vous avez réussi à ne pas décrocher. Et du coup, je pense que ce n'est pas productif. Donc, sur l'intranet, je vais vous mettre ce fichier Excel, que je vais reprendre un petit peu avec des couleurs. Dans 10 minutes, vous l'avez. Et puis, je vais vous mettre aussi la correction du TD en PDF. D'accord ? Donc, le fichier .doc avec la réponse aux questions. OK ? Ah, oh, ce serait génial, merci. OK. Et puis, pour la prochaine fois, il faut bosser le côté. On va corriger le TD MFDF, donc More Fragment, sur la fragmentation. Et puis, on commencera le TD sur le routage. Et s'il faut, j'en mettrai une séance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais traîner de temps en temps sur le Discord tous les jours. Je le fais en fonction. C'est difficile pour moi de vous dire à l'avance parce que ma femme, elle est institutrice et elle travaille beaucoup pour ses élèves aussi, pour maintenir la continuité pédagogique. Et vu qu'on a une enfant en bas âge, Lucie, qui a 1 an et demi, pendant que on peut pas la laisser toute seule, quoi. Sinon, elle demande de l'attention. Du coup, on peut pas bosser tous les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que je peux pas vous dire comme ça tous les coups. Cet après-midi, à telle heure, je serai disponible. Ça va dépendre de Lucie, en fait. Okay. De Lucie et puis du travail de ma femme aussi. Voilà. Mais je vais essayer d'être disponible autant que possible cet après-midi, au moins. Enfin, remarque, cet après-midi, je sais que vous avez des maths à 2 heures, donc c'est pas la peine que je. T'es des fermentations à faire pour lundi prochain. Lundi prochain à 9h, on continue. D'accord ?
Okay. Évidemment, si vous avez des questions sur le TD précédent et que vous les avez, je vous répondrai aussi. Non, Lucie, son premier mot, c'est papa. Voilà. Mais vous l'entendrez sûrement, hein, d'ici l'arrêt du confinement, vous entendrez sûrement ma fille. Non, je crois qu'elle s'en fout. Enfin, si, elle a les téléphones, elle aime bien. Oui, mais les téléphones, quand il y a YouTube dessus, non? Ouais, oh, non, je mets une application avec des... Bon, allez, bah, je vais rester connecté comme ça, mais je suis cus. Je vais reprendre les modos. Je vais arrêter le stream. Je vais préparer les documents. Donc, je reste connecté, mais je fais ce que j'ai à faire pour améliorer. Ah merde, pourquoi j'ai un bug maintenant? J'ai arrêté la déconnexion. Ouais, en fait, même quand j'ai pu. Alors, je vais. Puis redémarrer Excel carrément. Ouais, ce que je vais faire. Ouais.